Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, La Tempête de l'Info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Du côté du Mali, au moins 15 militaires maliens ont été tués jeudi lors d'une attaque attribuée aux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le centre du Mali, a appris vendredi l'AFP de sources militaires. En effet, au moins 15 militaires maliens ont été tués jeudi dans une embuscade tendue par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il y a aussi des militaires disparus et blessés, a déclaré à l'AFP un élu de la région de Mopti. Un autre élu, interrogé par l'AFP, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité, a indiqué que les militaires tués, selon un bilan provisoire, sont 14 membres de la garde nationale et un gendarme. D'autres militaires sont portés disparus et du matériel de l'armée a été emporté par les assaillants, a ajouté cette source. Interrogée de son côté, une source militaire malienne contactée à Mopti, la capitale de la région du centre, a répondu. Je cite, « Si vous dites que nous avons perdu 15 personnes, il faut savoir que les terroristes ont perdu plus de 20 personnes. » Selon un responsable de l'administration locale, c'est à 5 km de Dialassagou que les faits se sont produits. Il y a plus de 10 blessés et plus de 15 morts dans l'armée malienne. Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ainsi qu'aux violences de groupes communautaires et crapuleux. Fin juillet, des dizaines de soldats maliens et des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner ont trouvé la mort lors de combats contre des rebelles séparatistes et des djihadistes dans le nord. La plus lourde défaite subie en une bataille par le groupe Wagner en Afrique, selon des analystes. La junte au Mali a rompu depuis 2022 l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.